Exit tablette, jeux vidéo, télévision et autres smartphones, retour aux jeux, dans le jardin et aux discussions en famille. Le défi est de taille pour ces générations élevées aux écrans, mais non sans plaisir. Je vais faire un peu moins de télé et plus jouer au badminton, faire des dessins. Ça m'a appris que du coup, la télé, on pouvait s'en passer un peu et voir un peu autrement, être différent. Sur la communauté de communes de Créon, 2000 élèves de primaire y participent. L'occasion pour les enseignants de retrouver du calme en classe et de l'attention. Cette volonté d'être plus calme, plus apaisé, de plus se concentrer en classe. Et puis, j'ai bien vu que toutes les activités qu'ils ont développées en dehors de l'école, de par ce défi, ça nous profite, nous, ici, directement, dans les apprentissages. L'investissement dans des activités qu'ils ne font pas d'habitude, là, clairement, ils ont bien plus lu pendant 10 jours que ce qu'ils font d'habitude. Certains, même, ont commencé à écrire des histoires. Ça, c'est merveilleux. Une expérience dans l'ensemble bien suivie et qui pourrait donc faire des émules.